Salut à tous, c'est Skyros, comment ça va? Bienvenue aujourd'hui pour un nouvel épisode de la rue vers le diamant, c'est parti! Boum, c'est parti, on y va, rue vers le diamant sur Black Ops 3 et avec le sniper SVG, voilà le dernier sniper qui me manque sur la série la rue vers le diamant, c'est-à-dire prendre tous les snipers du niveau 0 et les monter en live, tout ça jusqu'au camouflage en or pour arriver au camouflage ultime, le camouflage diamant. Alors je sais pas comment ça se passe maintenant qu'il y a un cinquième sniper, mais comme je l'ai pas débloqué, je pense pas qu'il peut m'obliger à avoir, alors ça serait vraiment de l'arnaque, ça serait vraiment la plus grosse fils de puterie au monde, hein. Qui m'étonnerait pas d'ailleurs. Mais bon voilà, sniper SVG, j'ai pas encore débloqué malheureusement le tir rapide, qui est quand même vraiment utile sur cette arme, qui est vraiment lente, abusément lente je trouve d'ailleurs par rapport à un jeu si dynamique comme Black Ops 3, de faire une arme si lente. Mais bon, on le sait, avec les snipers ils sont pas toujours sympas, quoique on n'a pas vraiment à se plaindre sur Black Ops 3, parce que bon, en termes de quickscope ça passe vraiment bien, je veux dire c'est assez rapide etc, juste qu'il n'y a pas d'aide à la visée. Mais bon, allez, on s'habitue un petit peu à force. Allez, on y va. Oh putain. Allez, bouffe ça, gamin, bouffe ça. Y'en a pas un autre qui campe là? Venez là, les gamins, venez là! Venez là! Alors en plus, y'a le double XP d'armes, donc logiquement, je vais débloquer. Oh, je vais débloquer le. Je pense que ça va tourner. Je vais débloquer donc le tir rapide, je pense et j'espère, à la fin de cette partie. Dommage, putain, dommage! Comme il dirait mon grand-père, fromage! Non, je rigole, il dit pas ça. Malheureusement, je l'ai jamais connu d'ailleurs. C'est un peu triste, mais bon, c'est la vie, on va dire. Hitmarker au SVG, quoi, alors que je tire dans le torse. Eh, c'est vraiment pour parce que tu me détestes, hein. Je trouve pas d'autre explication. Non, franchement, là, c'est un peu dégueulasse, quoi. Un hitmarker au SVG, quoi. Drone ennemi. Repérer, on recharge. Ah, grenade ennemie, attention, à terre. À terre, les mecs, à terre. Attends, il y en a encore un là, non? Allez. Bon. C'est le moment où je me demande où est-ce qu'ils vont réapparaître, bordel, parce que... Putain, dommage. Dommage, il y avait du monde, hein. Il y avait du monde. Allez, on se concentre. Ouh. Ah là. Elle est bien là, approche-toi. Mais ne te mets pas devant moi. Mais putain, mais il est con ce type. Alors ce que je vais faire, c'est comme ils aiment bien arriver par là, je vais mettre ma tourelle là. Voilà. Là, je pense que le spawn il va tourner de façon, non? Oh putain! L'onde thermique, elle sert vraiment à que dalle, hein! Enculé! De jeu de merde, putain! Alors, c'est sûr que là, les tourelles dans les mains qui te tuent 50 000 ennemis à la seconde, ça, ça c'est bon, hein! Y a de la puissance, mais alors, l'onde thermique. Bah là, tu dirais, mais Skyros, pourquoi tu t'énerves? Pourquoi tu prends pas autre chose si tu le sais que c'est pourri? Arrête de te plaindre un peu! Et alors, je fais ce que je veux! Ah, bâtard! Bon, ça se passe pas trop mal encore! Voilà, petit à petit, je fais les défis, donc je pense que là, je vais avoir débloqué. Déjà, le cas. Mais putain, mais. Non. On recharge. Il est où, lui? Il est pas là, hein, je pense pas. Pro de la survie à terre, mon pote. Et ça... Oh merde. Allez, on arrête pas. Je sais pas. Putain. Drone allié en approche. Ouh. Voilà. Merde, putain, j'avais pas vu lui. J'étais concentré, je me dis je vais arriver dans le couloir, je vais les attendre. Bah ça sert à rien de trop aller rusher parce qu'en plus vu que les mecs ils utilisent voilà, vu qu'ils utilisent le Brecci, conseil numéro 1, ne jamais foncer tête baissée devant un... Oh, le petit noscope qui passe quand même.
Ne jamais foncer tête baissée devant un mec qui utilise le Brecci. Ça. Allez hop. Qu'est-ce qu'ils font les mecs là, hein? Qu'est-ce que vous faites? Viens là, je sais que tu veux venir. T'avais envie de venir. Ah putain! Faut que je garde mes distances parce que le Brecci c'est vraiment une arme. Quand les mecs l'utilisent, ils te font chier. Ils te font chier. Putain. Le petit décalage à la dernière seconde, y a rien de pire avec le sniper. Vu qu'il n'y a pas d'aide à la visée, y a rien de pire du petit décalage à la dernière seconde. Allez, viens là. Ah, oh, bâtard. Je t'attends. Merde. Allez! Mais non, j'étais dessus! Putain, il y avait moyen, je pense. Je pense qu'il y avait moyen. Qu'est-ce que je fais là? Du 24-9. Bon, ça va. Putain. Putain de merde! Ah! Une belle mort. Ah, ça c'est une belle mort, hein. Oh mais déjà il joue au Brecci et en plus il joue putain enculé mais jusqu'au bout des ongles t'es un enculé toi. On va essayer de passer par là. Alors, on va la gagner, c'est bon. Il était où? Wouhouhou! Oh là là! Bon. Il y a eu des bons moments, des moments un peu moins bons, mais au final, on va dire que c'est assez positif. Putain, je suis quand même content de cette petite killcam où le mec il arrive et in extremis comme ça. Poum! Allez, casse-toi, on a gagné. Oh, ça fait plaisir. On va faire laquelle? On va faire celle-là en premier. Voilà, sans accessoires. Allez, on s'y colle. Donc malheureusement, bah, tant que je suis habitué à pas jouer avec le tir rapide, on va en profiter. De toute façon, les tirs de loin, je pense que ça arrivera normalement tout seul. Même si c'est vrai que sur la map Aquarium, les tirs de loin... Je crois pas que ça soit vraiment possible. Il y a peut-être un endroit, mais pas en match à mort. Je pense que comme en match à mort, on voit bien que toute l'action se concentre de toute façon au centre, ce qui est plutôt mieux, effectivement, parce que bon, sinon, sur une map grande comme Aquarium, tu passerais ton temps. Si les mecs s'attendaient à s'amuser à faire tout le tour de la map, la partie serait vraiment chiante à jouer. Donc c'est pour ça qu'il y a des fois, tu dis rien, mais tu le sais, tout le monde va au milieu, on est là, on se regroupe, sinon c'est emmerdant. C'est à croire que tout le monde voudrait des petites maps, mais putain de jeu, ils veulent pas nous en mettre. Hein. Ils mettent des grandes maps à chaque fois. On verra sur le prochain DLC si les maps sont grandes ou petites. C'est bien, ils avaient mis Hijacked, qui est une petite map. J'aimerais bien que sur le prochain DLC, il y en a au moins une petite, voire deux. Et pas deux trucs immenses, imbranlables, quoi. Voilà, allez hop, on continue sur la map Aquarium pour faire les défis des éliminations sans accessoires. Oh, putain. Ça fait bizarre quand t'étais... Merde. Je l'ai loupé le con. Je l'ai loupé, de toute façon je crois que j'étais trop lent pour la quad feed. Je crois. Mais ça fait mal au cœur quand même. Montre toi. Putain. Ah merde. Merde. Parce qu'il y avait la question qui m'avait été posée. Est-ce qu'on peut mettre une quad feed ou SVG sans tir rapide? Alors honnêtement je l'ai jamais fait, donc je peux pas vous le dire personnellement. Ah, on va recharger. Oh, bâtard! Bâtard! Je l'ai jamais fait, moi, mais on m'a dit que oui. Il y a des gens qui m'ont dit par commentaire, ils m'ont dit oui, on peut le faire. Pourquoi vous venez par là, vous? Les mecs, ils ont peur ou quoi? Il y a un T-Rex dans le coin ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Viens là.
merde! Merde! Bon, il faut que je fasse les sanguinaires aussi. Hein. Putain, mais c'est pas normal que j'arrive pas à rentrer des trucs si simples. Ah bah, le mec, il s'est arrêté, quoi. Bon, j'avais cru calculer la trajectoire, mais malheureusement, non. Démolisseuse tuée. Ouais, effectivement, comme on peut voir ici, pour... Ouh, attends, il va arriver. Allez, jette tes petites flashs. Allez, viens là, viens là, viens là. Il est en dedans encore ou pas? Oui, il est mort, il est... Ah, j'ai eu peur. Ah, il y a des petits filous des fois. J'étais dessus! Mais tu rigoles! Oh! Il y a quand même moyen, elle est pas si mauvaise cette partie. Hein. Oh putain! Oh la partie pourrie quoi! Oh c'est dommage! C'est dommage, j'avais mieux à faire, mais c'est vrai que la partie là, elle était pas. Oh là là! Oh les types! Hein. Ah ils ont les techniques pour jouer, mon pote! Ah ça donne pas envie hein, ah ça fait pas rêver hein. Ah non, ça fait pas rêver, pas du tout. Bon, et eh bah écoutez, y a pas grand chose qui a avancé sur le coup à part faire 19 éliminations sans accessoires avec l'arme. Donc, on va dire qu'on a fait quasiment la moitié du défi. Allez, prochaine map, la map Splatch, je pense que ça serait un petit peu mieux que la map Aquarium. Parce que la map Aquarium, malheureusement, trop de combats rapprochés. Et comme les mecs, ils utilisent le Breccia, c'est un petit peu casse-couille. Voilà, c'est un petit peu lourd. Et avec le sniper, en plus sans accessoires, c'est un petit peu lent. Ou, bah c'est quand même bien pour les combats à distance, mais les combats rapprochés, c'est pas forcément le top. Et c'est vrai qu'il y a... Bah, je pars quand même sur un gros désavantage. Alors bon, bah, le désavantage, on l'a de temps en temps. De toute façon, il faut savoir s'adapter pour progresser par rapport à ça. Mais je pense que sur la map Splatch, de toute façon, ça sera un petit peu mieux pour avancer et faire des éliminations avec le SVG. Allez hop, match à mort, en espérant que ça campe pas trop, mais un petit peu quand même pour que je puisse les défoncer. C'est parce qu'il y a deux sortes de campeurs. Il y a les campeurs qui t'emmerdent et tu les trouves jamais. Ils te butent toujours, ils sont dans un coin et... Mais t'as les gens qui sont un peu regroupés et qui te permettent quand t'es au sniper de pouvoir faire pas mal d'éliminations en même temps. Et là, à ce moment-là, c'est quand même assez sympa. Bon, on va foncer sur le pré-shoot, on sait jamais. Là, je crois que j'en ai vu. Y'en a pas un qui est passé par là, non? Et si, 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 c'est bien ce que je me disais. Hein. C'est bien ce que je me disais. Allez, viens là, toi, viens là, viens là, viens là. Non, là, c'est sûr, non? Oh merde. Quoi? Tu rigoles? Oh, mais t'es pas sérieux! Mais bon, c'est vrai que cette masse Splatch, elle est pas si exceptionnelle que ça. C'est vrai qu'en termes de couleurs, etc., elle est jolie, tu vois, elle est sympa, elle est jolie et tout. Mais en termes de. En termes de stratégie et dynamique. Je la trouve franchement mauvaise quoi. Elle est relou à jouer. Y a des endroits pour camper partout. Ouais, je trouve qu'elle est trop grande. Elle est trop grande et y a trop de petits endroits où on peut aller camper, où on peut se passer, se cacher sous l'eau. Oh merde, j'aurais pu le niquer lui. Putain, mais voilà, comme par hasard, faut que ça respawn derrière maintenant. Oh là là. Bon, c'est vrai qu'ils ont amélioré un peu les spawns, mais c'est pas non plus alléluia quoi. Et c'est ça que je déteste, les mecs qui peuvent sortir de l'eau. Et combien de fois les mecs qui campent sous l'eau, ces gros bâtards là, et qui restent en train de nager, nager un petit peu là, on voit juste le bout du crâne. Allez! Allez! Bon bah voilà, ça va mieux là, ça va mieux. Je crois que... Normal dégommé. Prêt pour intervention. Drone de brouillage en attente d'ordre. Contre-mesure électronique activée. Oh punaise, y'a du monde. Ah bâtard! Ah putain, le malin, il s'est mis un petit peu en retrait. Hein. C'était malin de sa part, enfoiré de merde. Oui, je suis rageux, et alors? Bon, là, il y avait personne. Et de toute façon... Ah, aïe, 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 j'étais sûr qu'ils allaient là! Bon, je me suis...
Je crois que j'ai dû faire au moins une sanguinaire, donc c'est bien aussi parce que c'est quand même le but aussi de, dans le faire, d'avancer un petit peu dans les défis. T'es sérieux, Hitmarker? Bah, écoute, moi j'ai le bon angle, hein. Venez camper, je vous en prie. Voilà. Venez camper, les mecs. Allez. Je pense que là, le spawn va tourner. Ah, j'ai vu les petites boules à l'intérieur, là. Voilà. Ça, si je fonce là-dedans, tu crèves. Allez, approche-toi, montre-toi. Mais t'es sérieux? Mais je suis en plein dessus! Oh là là, putain, mais c'est abusé! Je pense qu'ils vont arriver là. Oh non, dommage, il y avait encore deux mecs! Oh putain, non! Ah, c'est triste! J'aimerais bien pas me faire niquer deux fois. Alors là, à tous les coups, ça va camper là-dedans. Oh, regarde-moi ça. Non, avance pas! Bon, bah écoute. Mais monte! Ah putain, mais arrêtez avec vos putains de zones merde là! Eh les mecs, ils ont que ça ou quoi? Ah, c'est vraiment le pur truc du campeur de bâtard ça! Franchement! C'est vraiment ignoble! Ah, on a gagné! Ah, dommage, il m'en manque 3! Merde! Bon, c'était pas si mal au final! Il y avait eu quelques bons petits moments sur cet épisode, il y a eu des moments un peu creux. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être couper un petit peu, si j'ai sûrement déjà coupé un petit peu tous ces petits moments un peu creux pour faire un épisode un peu plus intense, un peu moins chiant. Parce qu'il y a des parties toujours qui sont un peu chiantes dans des parties, on le sait, il y a des parties comme ça, un peu en longueur, pas très intéressantes. En tout cas, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez passé mon moment, vous savez bien que c'est tout le but. N'hésitez pas à donner votre avis, vos suggestions, et également un petit pouce bleu, un like, c'est plaisir, c'est la récompense. Et pour ma part, je vous laisse, soit une excellente journée, que du bonheur, comme chose, et à la fois prochaine. Allez, ciao, bye bye.